Marc Levy, moi je suis Légitra Fadal, directeur de centrale des systèmes d'information relationnelle, ex-directeur de l'informatique du musée des marques, ex-directeur informatique de l'hôtel, directeur informatique de CEPEX, et ex-directeur de laboratoire de recherche dans une institution pour le navire professionnel, qui s'appelle IUSIT, avec nous pendant 10 ans, il y a quelques problèmes à la mer. Il y a d'informations géographiques, il y a d'informations économiques, tout ça. Voilà. Puis, je suis venu voir ce que je trouve chez Al-Ala, à part le passage, ma technologie. Avant tout, nous sommes en train de parler culture. Et la culture, automatiquement, en fait, la technologie. Voyons produit par l'économie. L'économie partage pour faire des économies. Comme a dit mon élève Tom Z, à l'État Ouaïs en France, qui dirige une grande entreprise de développement spécialisée en développement du genre. En fait, un bon développeur, c'est un développeur par exemple. Il est développeur qui part paresseux, c'est pas un développeur. Allez, je développeur paresseux au monde. Parce que vous faites des choses correctement, diplômez-vous. C'est pas que ça là, ah, au beurre, virgule, point virgule, ça fait pas ça. Donc, il doit être paresseux pour faire bien du premier coup. Deuxièmement, il doit être paresseux pour pouvoir comprendre rapidement ce que les autres ont fait, ou bien son ancien code, pour le récupérer et le réutiliser. Il est paresseux parce que quand il développe aujourd'hui, il développe le plus paramétrable possible pour que quand tu vas réutiliser son code dans un autre bout de développement, dans une autre application, dans un autre projet, il peut réutiliser son code le plus rapidement possible pour gagner du temps et surtout pour ne pas se faire plus. Comment on explique
الفتيات وهذا جانب فلاني وهذا جانب فلاني etc. On avait besoin, quand on a commencé à détecter la composition des quatre acides du génome humain, de l'ADN, de la molécule d'ADN, pour la transformer en gène. On avait besoin d'une capacité de calcul énorme. On n'avait pas, l'éphéméride n'avait pas cette capacité de calcul. Chopra, on a fait appel, et j'y étais, dans les années 90, c'est un peu confus, moi je trouve des hématologies. On a fait appel à ce que tout le monde, on était tous connectés sur Internet, on a fait appel à ce que tout le monde laisse son PC ouvert et on téléchargeait un logiciel traduit par PC de telle façon que des millions, des milliards, des millions, des centaines de millions de PC étaient interconnectés ensemble et on faisait des calculs parallèles. Quand il est rawahoudari, on prend des PC taïk, le PC taïk va récupérer des données. Mais le laboratoire est un génome humain, va les traiter, faire des calculs, réinjecter le résultat, et vous avez des millions de PC, donc on avait atteint une capacité de calcul supérieure à tout grand super calculateur dans le monde. Et c'était du collaboratif, du partage. On n'avait pas inventé quelque chose à part que chacun a mis un peu de soi pour le bien de tous. Vous savez que, dès que notre expérience, l'MIT, la grande, la fabuleuse étoile, l'MIT, d'accord, l'MIT a mis tous ses cours, vidéo, livre, c'est pas, encore le mot, d'accord, les cours, le livre. Pour le cas, qu'est-ce qu'elle va gagner? Ben, elle va gagner énormément. Premièrement, vous avez le droit de lire ses cours gratuitement. Si vous voulez passer l'examen ou avoir une certification ou avoir un diplôme de l'MIT, grâce à ces cours, il faut payer. Et là, ceux qui payent de la MIT a dépassé largement ceux qui vont du cours présentiel. C'est la MIT qui a gagné. Et c'est surtout le monde entier qui a gagné. Des cours, parfois, quand je travaille, je n'ai pas besoin de diplôme supplémentaire, j'ai besoin de connaissances. Et là, je n'ai pas besoin de payer quoi que ce soit. Et pourtant, tout le monde est gagnant. Ah, 2008. Obama a financé sa campagne électorale. C'était la plus grande, en ce temps-là, la plus grande et la plus spectaculaire opération de collecte d'argent, d'armes de collecte sur Internet. C'est à travers l'Internet qu'il a pu collecter l'argent, parce que les autres avaient des grandes multinationales derrière eux, et ils ont financé à travers des dons de multinationales. Lui, il s'est basé sur un réseau de jeunes, en 2008, hein, un réseau de jeunes qui ont fait des collectes d'argent à travers l'Internet et il a pu collecter de l'argent pour sa campagne électorale supérieur à ce que les multinationales ont pu donner aux autres. Donc, quand on fait du partage et du collaboratif, on devient extrêmement fort, beaucoup plus fort que ceux qui font du cumul. Quel modèle économique? Il y a une différence entre l'économie quelle est la différence entre l'économie numérique et l'économie de partage. Vous savez que le futur de Store est un Mozart, ça ne rend pas. Elle est au-delà de la technologie de l'information. Donc on ne parle plus de technologie de l'information sans parler d'économie numérique. Ça sera de la faute de ceux qui font de la technologie pure et dure, simple, ne seront que des simples exécutants s'ils n'ont pas une culture économique derrière. D'accord? Parce qu'on parle de culture économique. Pourquoi les gens des HEC réussissent leur start-up en Tunisie, réussissent leur start-up beaucoup mieux que les ingénieurs informatiques ou les techniciens en informatique? Parce qu'ils ont la culture de l'économie, du partage qui est essentiellement l'émanation de l'économie numérique. L'économie numérique, c'est le commerce et l'économie. Bon, c'est ici. Mais l'économie numérique, c'est principalement l'économie de partage. Un petit peu d'exemple de du partage, enfin, je ne vais pas le citer tout à l'heure, mais Tayyar Abdel en Tunisie, d'accord, c'est l'émanation de l'économie de partage. C'est du peer-to-peer, c'est de la vente d'achat peer-to-peer qui utilise un système. Et tout le monde est gagnant derrière cette chaîne. Maintenant, dans quelques années, dans une année, deux ans, Tayyar Abdel sera supérieur à lever de fonds supérieur à 4 et à géant. Le mouvement zéro comme coût marginal.
quelque chose, on produit quelque chose, il y a toujours un coût marginal. L'économie, le rôle de l'ingénieur, le rôle du technicien, le rôle de l'économiste, du marketeur, etc., c'est de réduire au maximum le coût marginal. Quand on va commencer à produire localement et à partager ce qu'on fait, quand j'ai quelque chose à mettre en place, je la partage avec les autres, je réduis au maximum pour le même volume de production nationale. Je minimise au maximum, j'annule le coût marginal de production. Ça ne va pas paraître barbare, mais retenez juste des mots-clés, vous allez le voir plus tard. Quittez que ça va être, dans quelques années, ça va être votre vin quotidien, sauf que vous serez obligé de comprendre ces choses. Crowdsourcing versus mutualisation versus centralisation capitaliste. Crowdsourcing, c'est quoi le crowdsourcing? Le crowdsourcing, c'est le fait qu'on se met ensemble pour faire un travail commun. On va voir quelques exemples. On se met ensemble pour faire un travail. Bon, déjà, pour moi, j'ai l'humain, c'est du crowdsourcing. J'ai pris des ressources de la masse. Crowd, c'est la masse. It's crowded. C'est la foule. D'accord? Crowdsourcing, c'est prendre des ressources de la foule pour faire un travail. Il y a peut-être un ingénieur humain, c'est du crowdsourcing, c'est tous les dieux. Ça s'est passé durant les années 90. Et ça a été possible avec le développement de ressources. La mutualisation, par contre, c'est une autre composante, c'est de pouvoir mettre quelque chose ensemble. C'est pouvoir acheter ensemble. Ben, est-ce que quelqu'un encore, ben, je me rappelle de mon grand-père, qui avait reçu le marché de l'eau, parce que ça m'est. D'accord? Et je dis que c'est pas pour ça qu'on va avoir, c'est le marché de manière à soi. C'est ce qu'on appelle la chaîne groupée. La chaîne groupée, c'est quelque chose qui a toujours existé dans nos sociétés. La chaîne groupée, c'est la mutualisation et c'est une façon de partager. Et puis la centralisation capitalistique, ça c'est la perversion du système de partage. Le côté négatif du système de partage. Les gens se partagent en bas. Et on se retrouve sur Facebook à ce qu'une entreprise dans le monde a hein, le monopole dans la part. C'est grave. Les gens se partagent les fichiers. Et là, ça devient grave parce qu'une entreprise dans le monde va dominer tout ça ou elle va récupérer tout l'argent grâce à Internet. L'économie de partage, on trouve dans l'économie verte. L'économie verte, c'est toute l'économie qui est liée à la production énergétique locale, à la production énergétique à partir de ce qui est énergie renouvelable, à la technique de recyclage, à l'utilisation des imprimantes 3D. Est-ce que vous avez entendu parler des imprimantes 3D? Les imprimantes 3D, juste pour vous donner une idée, Obama par exemple, quand il a présenté une imprimante 3D pour la première fois, la révolution industrielle vient, la prochaine révolution industrielle vient faire de ça. Imaginez, grâce aux imprimantes 3D, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Grâce aux imprimantes 3D, je peux récupérer, je peux fabriquer ma voiture. Chez moi. Bien, j'ai un fabricant à côté, dans le quartier. Je peux modifier le modèle de mon voiture et la faire fabriquer chez moi ou à côté et ne plus attendre parce que la voiture me vient d'Europe. Allez, parce que le modèle 3D de la voiture, le modèle du moteur, etc. existe. Je ne suis pas en train de parler de copie, ça existe actuellement. Autre que sur Internet, cherchez, fabriquer une voiture sur l'imprimante 3D, sur YouTube. Vous allez voir plein de vidéos, plein d'exemples dans le monde où on fabrique des voitures. Est-ce que vous êtes conscient de ce que ça implique? Est-ce que ça va impliquer avec le développement de l'imprimante 3D dans le monde? L'industrie ne sera plus ce qu'elle est. On ne va plus fabriquer dans un pays pour vendre dans les autres pays. On va se partager des modèles en 3D. À chaque modification d'un modèle, je vais réagir pour fabriquer des modèles 3D. Et chacun prend, télécharge un modèle 3D, il imprime son objet chez lui ou à côté de chez lui. Maintenant, en imprimant 3D, on imprime des maisons.
On conçoit sa maison et elle imprime. Donc, tout le paradigme, l'industrie actuelle, l'économie mondiale actuelle, la Chine qui domine la fabrication des petits objets, les petits objets, on ne va plus les importer, on va les imprimer chez soi. Comme chaque maison actuellement a une imprimante couleur, un jour vous allez avoir dans chaque maison une imprimante 3D. Quand vous allez avoir dans chaque maison une imprimante 3D, la majorité de ce que vous avez acheté, vous allez l'imprimer sur place. Vous avez besoin d'un verre, vous l'imprimez. Car ça ne fait pas arriver, vous l'imprimez. Vous avez besoin d'un vis spécial, vous l'imprimez. D'accord. Tout le paradigme va changer, toute l'économie du monde va changer et ça va être basé essentiellement sur l'échange et le partage. Pour l'imprimer, il faut avoir le modèle 3D, le modèle mini. Pour avoir le modèle 3D, il faut bien que quelqu'un ait fait ce modèle. Donc il va y avoir exactement comme le SD, quelqu'un qui a eu besoin de ça, qui sait faire, il a fait. Donc pas l'objet 3D, il a réinjecté ça sur le marché, enfin sur le site de partage. Quelqu'un d'autre a eu besoin, il a récupéré, il a fait une copie, il a fait des modifications, il a réinjecté des modifications, donc vous trouvez les quatre types de procédures. D'accord, les quatre types de procédures. Non, enfin, je crois que nos enseignants doivent. Bon, donc, on a parlé du partage, du co-travail. Le co-travail, c'est des espaces où on travaille. Vous savez, tellement les jeunes, les entrepreneurs, ça, c'est pas uniquement en Tunisie, ça existe partout dans le monde. Si vous allez vous attendre à ce que l'État va vous donner du travail, ça ne marchera pas. Si vous attendez à ce que les multinationales viennent s'installer en Tunisie pour vous donner du travail, même si ça va arriver, ça va être extrêmement bête et vous n'allez avoir que le travail le plus bête, le plus répétitif. Parce que le travail intellectuel est le cas chez nous. Donc, l'avenir pour les jeunes, c'est le travail indépendant, c'est vos propres entreprises. Ça coûte cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des espaces de co-working, des espaces de partage de salles de réunion, de fax, d'imprimantes 3D, des coachs qui viennent coacher plusieurs entreprises à la fois ensemble, etc. C'est des espaces de co-working. Le co-working, c'est plusieurs entreprises privées de personnes qui se retrouvent ensemble et travaillent ensemble. Et on va avoir un exemple en Tunisie, comment ça marche actuellement. Et surtout, la chose la plus intéressante, c'est le consommateur et le producteur. Le consommateur et le producteur. Notre capuche, le CNIP actuellement, qui développe le CNIP, qui dit communauté. Donc le secteur professionnel, il y a des développeurs, l'entreprise qui développe. Il y a des consommateurs qui vont récupérer un exécutable fermé pour l'utiliser, point à la ligne. Dans le CNIP, non, pas du tout. Et ça, ça existe depuis longtemps. En 2001, j'étais le secrétaire général de l'association tunisienne du logiciel libre. En 2001. Le logiciel libre, je suis consommateur, je récupère un logiciel pour consommer ce logiciel, je prends le code source. Si j'ai besoin de changer quelque chose, je change, je republie ce code source. Donc, en tant que consommateur, je suis producteur. Multiplie ce que je suis en train de faire par des millions dans le monde et vous retrouvez le modèle économique du logiciel libre. Ce modèle économique, actuellement, il fonctionne pour tout autre domaine. La connaissance, l'industrie, les imprimantes 3D, etc. Il y a toujours l'utilisateur qui va modifier, produire, ingénier. Bien sûr, tout le monde ne peut pas le faire. Mais s'il y a 1%, 1/1000 des consommateurs vont apporter des améliorations sur le produit pour le réinjecter sur Internet, l'évolution sera beaucoup plus rapide que l'évolution classique des autres. Nous avons principalement trois concepts. Il faut faire la différence entre les concepts. Il y a des concepts qui sont positifs et des concepts qui sont beaucoup plus liés à la cupidité de l'être humain. Il veut utiliser ce que vous parlez, qui est en train de parler de l'Al, pour capitaliser, pour récupérer de l'argent, puis bon, avoir le l'Al et approuver les autres. Il faut faire attention, hein, c'est des psychologues. Tous les concepts ne se valent pas. Il y a l'économie collaborative. Elle se base sur la production de biens et de services en commun, s'appuyant sur une organisation horizontale entre les gens, facilitée notamment par l'usage des plateformes internet. Qui m'a fait ce livre? L'économie de partage.
c'est une organisation de pair à pair où les individus s'auto-organisent pour créer un bien commun. Je ne vois pas trop bien au milieu de l'air. L'oulène implique fait, englobe le deuxième. Le deuxième, ce sont des individus. Ce ne sont pas des organisations, c'est des individus qui se mettent ensemble. Parce qu'on peut trouver qui va Google, qui va Facebook, c'est une entreprise qui vous met ensemble. Vous avez l'impression que vous êtes mis ensemble, que vous êtes mis tous sous le chapeau. Vous êtes un produit pour ces entreprises. Vous n'êtes pas le client de ces entreprises. Vous êtes un produit qui est votre produit et vous, avec vos informations, vos retours sont vendus par ailleurs. Et là, c'est toujours collaboratif. Mais ce n'est pas du tout une organisation, ce n'est pas du tout une auto-organisation des individus. En pire que pire, pair to pair, ça n'est plus tout dire. Des résumés, d'accord. L'économie sociale et solidaire, ESS, couchez-toi, ESS. Elle est centrée sur l'intérêt général. Et là, l'économie sociale et solidaire entre deux composantes. Elle est sociale, c'est-à-dire que c'est une économie où on voit le problème local, on transforme tout problème local en une solution, en une entreprise, en une, quelque chose qui ramène de l'argent et qui donne une solution aux gens localement sur le problème local. Tout problème est une opportunité. Un problème n'est jamais un problème parce qu'il y a des gens qui voient derrière le problème comme étant une opportunité d'affaires, une opportunité de business. Quand on apporte une solution locale, l'économie solidaire, c'est une opportunité pour les gens, l'inclusion des gens pauvres, l'inclusion dans la famille de pays, l'inclusion de la famille rurale, l'inclusion dans les achats, etc. Tout ça, c'est une économie énorme qui peut transformer un grand problème de la Tunisie en un grand moteur de production économique. Et ça, par la solidarité. Solidaire, c'est une organisation démocratique, entre autres le gouvernement. Un cercle contre le craft, j'ai pas le temps de parler de tout ça. D'abord, on va parler de quelques grains. C'est mon premier mot. Globalement. Master Open Online Courses. D'accord. Nous avons le centre de MOOC de la francophonie pour tous les pays francophones. À part la France, il se trouve en Tunisie. Il est dirigé par une des fondatrices de l'Open Source, du mouvement Open Source en Tunisie, Madame Onéraz. Et elle dirige ce centre actuellement. C'est une femme qui est très connue dans la communauté Open Source, génération actuelle, Fab Lab. Ça, c'est mon Fab Lab. Je connais ma Fab Lab. Pas de paix, des mauvais élèves. Des mauvais élèves, on merde l'évolution. Les Fab Labs, c'est des laboratoires partagés où on fabrique du 3D, où on apporte son modèle et on fabrique du 3D pour un type d'entreprise. Je vais passer à celui d'autre. Pour chaque fait électronique, autre fait que j'ai trouvé. Le relais de barrage, peut-être, pour pouvoir, je me charge de relais plastique réel. Les amis, même si une marque de plastique, ça me coûte horriblement cher. Si je fais mon modèle en 3D, je n'ai pas l'argent pour acheter ma marque en 3D, etc. Même si une Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. Et je fais un prototype que je vais utiliser pour présenter mon projet à des bailleurs de fonds, à des banques qui vont financer mon projet. Donc on réduit énormément quoi ? Le coût marginal de production. Les Fab Labs, l'imprimante 3D, la fraiseuse numérique, le scanner 3D, etc. qui va permettre de faire des voitures, de faire des composantes, etc. mais partager, généralement dans une université. Le mot Fab Lab, le sigle de Fab Lab, le jeu de radio, c'est automatique. On va se développer partout dans le monde. Nous avons utilisé un seul Fab Lab, nous avons une prémisse de Fab Lab, un seul Fab Lab à la limite. J'ai appelé votre ministre de l'enseignement supérieur qui se trouve mon ami de classe, Khalja Mamini, ma femme dans notre temps, dans les années 80. Je lui ai parlé des Fab Labs, il m'a dit c'est mon rêve de faire des Fab Labs dans chaque université. Mais il faut que les étudiants bougent.
Le Fab Lab, ce n'est pas l'administration qui va le faire, c'est une communauté qui m'a des clubs. Pour qu'il y ait un club qui va gérer le Fab Lab pour en retrouver du financement. Le ministre était un plan en charge, mais pour un peu d'exemple, le ministre qui vont financer les Fab Lab pour les écoles. Il faut que votre école soit équipée de Fab Lab. Sinon, vous allez rater le coche de la prochaine évolution industrielle. Et vous, déjà, regardez ceux qui peuvent voir Open Source 3D Life-Size Robot. Le Inmove, l'objectif d'AO, c'est de se partager en open source tout ce qui concerne les robots. La partie électronique, l'intelligence artificielle, l'équilibre mécanique, le mouvement, les moteurs, pas tout. D'accord. Mais surtout, ça a donné un autre mouvement, Inmove, qui est très important. Qui est très important, qui est la fabrication de prothèses pour les blessés de guerre, pour les blessés en général, accidents de la route, etc. Je vous donne un exemple qu'a mis mon ami Syriac, qui est le Burkina Faso. Il a un casque à l'enfant. Pour lui fabriquer une main, ça doit coûter une prothèse, ça doit coûter 2000 euros, à part les voyages qu'il doit faire en France. Chez Rissoul, avec des médecins locaux, avec le Fab Lab local, en Burkina Faso, ils ont beaucoup de Fab Lab, contrairement à la Tunisie, hein, à rapport à des marges. Ils ont pu scanner notre main, faire symétrie d'air, et scanner le tasse à taille pour le former des tasse à taille pour pouvoir faire le creux au niveau de la nouvelle main. Ils ont fabriqué une main en plastique avec la couleur de la peau d'Ao. Et qui lui a permis d'avoir au moins une prothèse, mais avant une prothèse. Je ne parle pas de Inmove qui fait une prothèse robotisée, principalement dans le monde, actuellement. Et c'est d'autres sources pure. Ça vient à ça, c'est directement fait de l'open source. Cogit, ça c'est le co-working space, c'est des espaces où on travaille. Cogit, tu peux jouer Cogit? Flag. Bon, la foule. Cogit, c'est un espace de travail collaboratif, un ijma open source. Des gens qui sont convaincus d'open source qui ont fait ce projet. À part l'extérieur général de Microsoft. Elle est même pas l'université. Viable, c'est un site mondial. Vous voulez faire un voyage? Dès que je suis dans un guide, je fais ça, etc. Et là, vous allez découvrir tout seul, et là, vous allez rater la moitié de ce que vous allez voir, vous allez comprendre. Mais c'est le guide. C'est un réseau qui met des guides et des voyageurs en contact en avant sans passer par des agences qui vont, eux, récupérer tout l'argent et payer les guides des pénates. À quel point ce sont des intermédiaires. WeShare en France, c'est une société chère déjà. C'est une société, c'est un groupement qui est en train de développer l'économie de partage partout en France. Et ça marche. L'économie de partage est multipliée par deux en France chaque année. Dans quelques années, elle va dépasser l'économie classique. Uber, c'est un système qui remplace les taxis de façon très grande façon. Uber, vous allez dans votre programme d'application, vous dites je veux aller de tel point à tel point. Qui est proche de vous peut aller à peu près à la même région. Il vous met en contact par rapport et il en informe quelqu'un qui a une voiture, pour lui, il y a un groupe de trois personnes qui veulent aller de tel point à tel point, même Chinon. Il faut loquer même Chinon, il y a un moment où j'ai eu, mais j'ai payé, ça fait un bloc, à des chocs chez Giron, ils se font payer tout ça par paiement électronique à travers les portables. Yimchi ou Hadal Rech, Yimchi Wassal Hadal Point, je souviens qu'il note le conducteur parce que le conducteur est inscrit comme étant un conducteur. En fait, c'est un taxi, c'est un système de taxi où la taxi carbone normale, où on est, c'est Yimchi, taxa marad, à toi, Yimchi marad, qui m'a taxi jamais, et ça se gère sur Internet. Uber a un grand problème actuellement en France parce que les taxis, ça y est, les chiffres d'affaires ne font pas à toi, ou à un peu plus, ils ont bloqué la route, puis BlaBlaCar qui m'a coupé, mais je me de l'air. Mais je sais, je me de l'air, je fais du covoiturage. Et tu es
Mais là, d'arriver, je suis en France. Hamdek, la première pensée typique. D'accord. Notre assiette, elle est étuite. Elle, je veux préparer un plat pour 10 personnes. Les mâches, les menaces, les étrangers, les d'arriver, il y a le plat, et Khatsouni. Mais en contrepartie, il mange un plat authentique, beaucoup moins cher qu'un restaurant. Et la discussion est beaucoup plus conviviale, c'est un esprit familial. Et ça marche très 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 bien, et c'est ici de partage. Airbnb. B&B, Better Breakfast. Airbnb, c'est un site qui permet à ce que je suis plus place. Vous rentrez, tant qu'on dit que les fibres, vous allez les fidèles, vous allez les fichiers, vous allez les sous vous allez les fibres partagées. Le prix moyen, ça coûte beaucoup moins cher. Et ça permet d'aller d'aller n'importe où dans le monde. Il y a des millions de maisons à louer dans le monde, mais ce n'est pas des maisons, c'est des chambres équipées, tout ça. Qu'on va dire, faire le blé, crowdfunding, smart, mais Obama a eu le plus en 2008 à travers l'internet. Là, on peut crowdfunding. Le financement par la foule. Quand on peut 10 millions, on peut 10 millions, on peut 10 millions, on peut 10 millions. C'est une entreprise tunisienne. 10 ou 21, c'est mon big deal ou 21. C'est d'achat de pays, c'est un système d'achat de pays. C'est du partage et c'est une. Bon. En principe, comme on a dit, c'est des recommandations. Juste pour aller plus loin, je vous conseille le livre de Thomas Piketty, qui est le nouveau capital, qui a remis en cause le système économique, qui prévoit que le modèle économique actuel va changer complètement. Et surtout, Jeremy Rins, qui est le conseiller du président Obama, qui a été conseiller de la Commission européenne, etc., à propos de tout ce que je viens de décrire, mais beaucoup plus détaillé, les vidéos que je fais sur Internet, la troisième révolution industrielle. D'accord. Je vous informe aussi que je fais partie du réseau Sharinga, c'est le réseau africain de sharing, de la sharing economy. D'accord. Où il y a beaucoup de militants, d'ex-militants de l'open source qui vont militer pour que la chaîne économique se développe en Afrique. Et je ne suis pas le seul dans cette salle. Amine, qui va faire une conférence tout à l'heure, qui était membre fondateur de ce réseau, c'était en Algérie. Comme Yusra, qui est étudiante ici en Tunisie, qui est en Asus, qui travaille sur le club Univers Libre, je crois, qui était avec nous, une fondation profonde. Pour la fondation de ce réseau, c'est un réseau qui développe les communautés de partage en Afrique au pôle de GI, la communauté open source. Merci beaucoup. Merci beaucoup.